Salut à tous! Ça a été une excellente semaine pour Harlem. Spider-Man a arrêté Tinkerer, Rio Morales a été élu au conseil municipal, Roxanne Plaza est fermé pour de bon et Simon Krieger est derrière les barreaux. Boum! Cerise sur le gâteau, j'ai passé mon test de citoyenneté haut la main! Chine, je t'aime toujours, tes bonbons vont manquer. Mais revenons à nous. Pour faire bonne figure, la direction de Roxon a divulgué les documents personnels de Krieger. Notes, email, la totale. Pendant que j'épluche ces documents et que j'attends que Triple J présente ses excuses à l'antenne, je diffuserai des émissions préenregistrées inédites. On se retrouve en direct dans quelques semaines et en attendant, parlez à vos plantes pour vous arroser. Sérieux, elles adorent ça. Allez, à plus! Je dis pas merci. La vache, Roxanne et l'Underground s'affrontent en pleine rue. Les chantiers et la glace font pas bon ménage. Et les grues. Voyons ce qu'en dit l'ouvrier. Spider-Man, vous êtes là. Votre grue a l'air... fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire? Fatigué, c'est le mot. Le moteur a lâché et l'accumulation de glace l'a fait pencher. Ça craint, on est d'accord. J'ai dégagé la zone en dessous. Mais elle risque toujours de tomber dans la rue. Faudrait retirer la glace avant que ça arrive. Je m'en occupe. Combat pique, la glace. Tu auras raison, mes blagues sont nulles. Hey, Spider-Man. Vous voyez que cette grue penche quand même, non? J'ai presque fini d'enlever la glace. Mal à briser la glace, mais là... Ok, c'était nul. Vive des glaçons! À trouver un endroit d'où stabiliser la grue. Bon, alors, je dois juste l'éloigner de la rue.
Oh non, 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 non! Bon, personne n'est blessé. Mais si ma mémoire est bonne, il y a un train qui va bientôt passer. Je dois faire vite. Je dois me dépêcher de casser ça. Allez, plus vite! Faut se tirer! Eh ben, heureusement que j'ai pas froid aux yeux. Bon, allez, j'arrête avec les jeux de mots pourris. Au moins pour aujourd'hui. Quelqu'un a perdu sa voiture. Une voiture blanche, sous la neige. Ce serait débile. C'est lui qui m'a demandé de l'aide. Salut. Votre voiture a disparu? Ouais, je viens de faire 2 jours de garde. Et je sors prendre ma voiture, mais elle est plus là. Je dois être de retour dans 12 heures. Je veux juste rentrer dormir chez moi. Ça, je peux gérer. Vous avez vos clés sur vous? Le machin pour ouvrir, là? Ouais, juste ici. Parfait. On va la retrouver, votre voiture. Normalement, le signal de la clé devrait mener à la voiture. Qui s'amuse à voler la voiture d'un secouriste en plein hiver? C'est pas cool. Non, pas cool du tout. Clandestin. La voiture est là, c'est sûr. Je rêve ou tu veux me faire culpabiliser pour que j'ignore votre crime? Ouais, bah c'est bien. Je crois qu'on est toute seule, pas vrai? Alors il faut bien que quelqu'un se dévoue. Je suis désolé, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Bien tenté, par contre. Choisis ton jour. Tu vas morfler tes rêves. Je peux utiliser la clé pour trouver la voiture maintenant. Salut, j'ai retrouvé votre voiture. Je vous envoie l'adresse. Génial. Oh, la police est enfin là. Je vais voir s'ils peuvent me déposer. Encore merci, Spider-Man. Je vais dire à tout le monde d'utiliser votre appli.
Enfin, quand j'aurai dormi. Ravi d'avoir aidé. Très bien. Je crois que j'ai terminé ici. En fait, c'est Théo. Voilà. De la bodega. Salut Théo. La forme? Spider-Man, mon Spider-Man, c'est mon chat. Il s'est attaché à toi. Ah ouais, je l'aime bien aussi. C'est un bon chat. Du coup, je voulais juste te dire de passer un peu de temps avec lui un jour, ou l'emmener faire une balade, ou un tour dans les airs. Il n'y aurait pas de soucis, voilà. C'est... Carrément! J'adorerais le revoir. Merci, Théo. Ah, yes, ça c'est cool, enfin non, il serait trop content. Enfin, je vais lui dire, hein, t'es un chic type, Spider-Man, hein. Eh, à bientôt. Il est génial, Théo. J'adore ce mec. Racontez à tout le monde comment t'as sauvé Spider-Man. Prêt pour une virée, Spider-Chat? Vous faites une belle équipe. Allez, filez arrêter les criminels. Faut vraiment que je dorme. Une petite... sieste. De la part de maman. C'est un indice pour une chasse au trésor. Papa m'en faisait faire. Elle en a créé une nouvelle. Faut que j'aille voir ça. Qu'est-ce que maman a inventé ? Je devrais sortir faire un petit tour au muséum d'histoire naturelle. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ça fait une éternité que je suis pas allé au muséum. La dernière fois, ça devait être avec Finn et papa. On adorait faire ça. C'est bizarre d'y repenser. Ok. Le muséum d'histoire naturelle. L'indice de la carte postale dit, en face du parc, le poids du monde sur nos épaules,
Nous gardons le prochain indice. L'année prochaine, j'espère être plus sage et moins vilaine. Il y a une autre carte là-dessous. Celle-là, elle monte l'Empire State Building. Au sommet de l'Empire State, tu trouveras une paire d'yeux aveugles. Il y a aussi une clé USB. Salut mon grand. Bon anniversaire. Oh mon Dieu. Chasse au trésor, c'est pas mal pour souffler tes 16 bougies. On dirait nostalgique. Tu te rappelles cet été où Finn et toi, vous m'avez forcé à vous emmener au musée tous les week-ends ? Un petit secret. J'adorais ça. À une époque, je me sentais coupable que t'aies pas de frères et sœurs. Ton oncle et moi, on est fâchés maintenant. Mais sans lui, je n'aurais jamais fêté mes 18 ans. Chaque fois que je te voyais avec Finn, je me sentais moins coupable, parce que t'as une sœur. Avec Finn et Gangi aujourd'hui, t'auras toujours une famille sur qui compter. Je t'aime fort, mon grand. Rendez-vous au prochain indice. Waouh ! Ça fait tellement longtemps que j'ai entendu sa voix. J'espère qu'il a laissé d'autres messages pour la chasse au trésor. Allô, la marmotte ? Tu as trouvé ma note ? Ouais. J'ai suivi l'indice et... j'ai entendu la voix de papa. C'est toi qui as fait ça ? Juste la mise en place. Ton père a écrit les indices l'an passé. Je sais que tu en baves depuis le déménagement et j'ai pensé que ça t'aiderait de l'entendre. Ça m'aide. Gracias, ma. De nada. Amusez-vous bien. Et n'oublie pas, je suis là si tu as besoin de moi, Miles. Tu sais que tu peux tout me dire. Te quiero. Te quiero. Chers auditeurs, vous savez que je me pose en défenseur de la vérité, de l'intégrité et des faits. Je n'ai pas été tendre avec le nouveau Spider-Man depuis la catastrophe du pont Braithwaite. Et pour cause, ce mioche a fait tellement de bourdes que le Spider-Man original en serait devenu plus rouge que... L'Empire State Building, voyons l'indice. Au sommet de l'Empire State, tu trouveras une paire d'yeux aveugles. D'art moderne de Greenwich. Je me souviens de cet endroit. Trouve le fossile caché dans le monde moderne. N'oublie pas de lever le nez. Le voyage scolaire de CM2 à l'Empire State Building. J'étais accompagnateur. N'accepte jamais de surveiller un bus rempli de gamins de 10 ans, fiston. On a mis 3 heures à se rendre sur place et quand on est arrivé, qui en a vu ? Réunis en personne. Nous sommes battus contre une vulture. À peine sorti de l'ascenseur, on a dû rebrousser chemin et évacuer. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que tu voulais rester. Tu m'as dit, Spider-Man a besoin de nous, papa. Tu as toujours eu l'âme d'un héros, Miles. Tu perds jamais ta combativité. Rendez-vous au prochain indice. L'âme d'un héros. Je crois que j'ai appris à être un héros en observant papa. Il me manque. Surtout maintenant.
Mauvaise nouvelle. Quelqu'un essaie de piller un camion du Fist. Ok. Voilà le musée d'art moderne. Trouve le fossile caché dans le monde moderne. N'oublie pas de lever le nez. Quand mes collègues vont voir ça. Spider-Man. Alors, passé de bonne fête. Pas mal. J'ai eu un nouveau pull et on a fait une petite fête. Super. Alors. C'est du boulot, mais c'est sympa quand on est tous de bonne humeur. Tu peux te rendre à la visite. Prochain indice. Boum. On dirait bien que je dois aller assez haut débit. Là où l'argent est roi, perché dans les lumières, laisse la musique t'entraîner. On a pratiquement dû vous traîner au musée d'art moderne, Finn et toi, la première fois. Vous ne compreniez pas l'intérêt d'aller voir des taches de peinture. Mais... un atome sans bouger de chez soi? Je m'occupe de tout ça au plus vite. Mais non, Speed Nodagon. J'ai mis à jour le modèle de collision, corrigé la physique des projectiles et stabilisé la cadence d'affichage. Ça déchire! Ça veut dire que je peux y jouer? Mais il manque encore les textures, les effets spéciaux, la musique et les voix. Je peux m'occuper de la musique et peut-être même des effets sonores. D'abord, on améliore notre speeder costume et maintenant on monte un empire du jeu mobile. Ok, CODB. À nous deux. Perché dans les lumières. Terroriste. Et voilà. Chez Bill le Homard, le restaurant préféré de papa. Bien blotti sous Stuyvesant, se cache un mets monstrueux. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse au CODB. Nos musiciens préférés ont joué sur cette scène minutieuse. Aaron est même monté dessus une fois, et il s'en est pas trop mal sorti. Quand il a enfin décidé de me parler de son devenir, c'est ici qu'il m'a emmené, pour faire passer la télé. Mais après ça, je ne voyais plus l'endroit de toute façon. C'est pour ça que je t'ai jamais emmené. Je suis sûr qu'il t'aurait adoré ce moment. Alors, voilà ce que je te propose. Trouve un concert qui te botte, ce que tu veux. C'est moi qui t'en fais. On viendra ensemble et ton paternel te montrera comment enflammer les dance floors. Le prochain indice te t'enlèvera à Maurice. Papa voulait m'emmener dans ton concert. Oh, je crois que je vais avoir besoin d'une minute pour m'emmener. Salut, c'est encore moi. Bien content de m'occuper de la musique de ton jeu. Je vais te mettre des effets sonores mortels. D'abord, on améliore notre super costume. Et maintenant, on monte un empire du jeu mobile. Mais plus rien ne nous arrête. J'en ai jamais douté. Je finis quelques trucs pour le boulot, mais dès que je rentre, je prépare un tableau de suivi et je fais la liste des effets sonores dont t'auras besoin. Ah, et je planche sur une BO. Yeah. Tu l'as senti, celui-là? C'est moi qui te fais un check à distance. A plus, mon pote. Thank you.
Bill le Homard, la terre promise de papa. Bien blotti sous Stuyvesant se cache un mets monstrueux. Je pense savoir à quel mets il fait référence. Nouvelle photo de profil. Ça va bien avec l'araignée blanque du costume de l'autre. C'est ce qu'on appelle la synergie. Qu'est-ce que... Oh, voilà l'intrigue, je connais cet endroit. L'immeuble Art Space dans l'Upper East Side. On a du fromage, on a de la viande hachée. Aucune lettre ne peut entrer dans ce château artistique sans s'arrêter à ses portes. Bravissimo. Oh, shit. Bah, oh, le resto, c'est ma deuxième maison. Ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère du Sud. C'est là que j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous et c'est devenu une tradition. Même si elle était enceinte de toi, elle a commencé à avoir des contractions au moment du dessert. Je pense que c'est à cause des crevettes, déjà. Elle était moins fan après ça. Mais je vais pas te mentir, Fiston. Certaines nuits où je suis là, je m'arrête pour 3 minutes. Je vais t'acheter des bonbons. Maman était au courant qu'il fréquentait cet endroit. Ce sera son petit secret. Il faisait une bonne équipe. On dirait que l'Underground. L'Art Space. Ok. Aucune lettre. L'indice suivant. CJ Walker Park. Je connais cet endroit. C'est à Harlem. Sous le panier où tu as appris à voler, ton périple prendra fin. Wow. J'ai pas hâte que ça se termine. La remise des diplômes du collège. Vous avez rigolé. Voyant l'immeuble Art Space en disant que ça ressemblait à un couronnement. On était tellement fiers, ta mère et moi. Notre fils et celle qu'on considérait comme notre fille allaient recevoir leur diplôme et c'était les meilleurs de leur classe. Je sais que vous étiez triste d'aller dans des écoles différentes, mais laisse-moi te dire une chose, Max. Les amitiés de jeunesse, c'est vrai, elles durent. Vous vous reverrez, Finn et toi, dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Il ne reste plus qu'un indice. Je parie que tu as hâte d'arriver au bout. On a repris contact, Finn et moi. Mais pas comme papa l'aurait imaginé. C'est là, CJ Walker Park. Sous le panier où tu as appris à voler, ton périple prendra fin. Je crois que c'est la dernière. Waouh! Ça fait remonter tellement de souvenirs. Et voilà la dernière étape. CJ Walker Park. Tu te rappelles quand on venait jouer ici pendant l'été? Ton oncle t'a montré comment te frayer un chemin jusqu'au panier et moi, je t'ai appris à dribbler croisé comme un chef. Et comment oublier le jour où Finn et toi avaient essayé de placer un dunk contre ta mère? Cet endroit me rappelle que quoi qu'il arrive dans la vie, la seule chose qui compte, c'est les gens que tu aimes. Toi, ta mère... Ganki, même ton oncle. Garde tes proches autour de toi et tout se passera bien. Joyeux anniversaire, mon grand. C'est de toi que vient tout mon courage. J'étais pas prêt à entendre ça.
Miles, ça va? Ouais, maman. Je viens juste de finir la chasse au trésor. Merci beaucoup d'avoir mis tout ça en place. Pendant un moment, j'ai eu l'impression... qu'il était revenu. Il ne nous a jamais quittés, Miro. Je t'aime. Je t'aime, maman. D'après l'appli, il y aurait un cadeau qui m'attend. Il fallait voir ça avant qu'on me le pique. MJ sur la Sim Carry. Pas en te balançant, j'espère. Désolé, j'étais en mode professeur grincheux. Je me détends. Qu'est-ce que t'as pensé de l'article? L'article était trop bien. Par contre, les photos, ils l'ont déniché où, ce Peter Parker? MJ doit se demander la même chose. Parle-moi de ton séjour. Est-ce que t'as dû ressortir ton costume là-bas? Non. Sable et son white pack ont fait du super. Je suis contenté d'observer et de prendre des photos. Sympa les vacances, même si ça restait un déplacement professionnel. Ouais, je suis en pleine forme et prêt à remplir mon costume de Spidey. Et aussi à nettoyer les boutures de ma maison. C'est passionnant d'être proprio, tu verras un jour. Ça fait envie. Je te laisse alors, à bientôt. Pas de quoi. Oh. Merci, cher voisin. Thank you.
et moi je suis sur leur réseau. J'ai accès à tout ce que tu vois et à tous les câblages dans le labo. Super. On va tout mettre hors service. Genki, t'es prêt à m'ouvrir cette porte quand je l'aurai alimentée ? À ton signal. Je dois suivre les câbles d'alimentation. Voyons ce que ça renferme. C'est un réacteur à nu-forme qui alimente cet endroit. Suffit que je le draine. Il doit se trouver au rez-de-chaussée. Droit devant toi. Si le nu-forme était aussi volatile que les gens le prétendent, l'usine aurait déjà explosé depuis longtemps. Il est très bien. Maintenez-le ! Bravo, il voit quel est le problème. Le problème, c'est votre réacteur à uniforme. La solution, c'est de le détruire. Essayez de nous séparer. Maintenant le réacteur.
mal. Le rideau de sécurité est ouvert. À toi de jouer. Je devrais jeter un œil ici. Chers employés de Roxxon, pour vous remercier... Un message vocal d'un numéro masqué. Hey Miles, je sais que tu vas entendre plein de choses sur moi et sur ce que j'ai pu faire maintenant que je suis incarcéré. J'ai obtenu un deal, donc je devrais à nouveau être libre dans 2 ans. Mais si j'ai balancé Krieger, c'est pas juste pour réduire ma peine. Tu m'as dit vouloir être quelqu'un de meilleur, notamment en prenant soin des autres, même à tes dépens. Tout ça est encore tout nouveau pour moi. Je fais des efforts. Merci, petit. Merci de me permettre d'être un homme meilleur que celui que j'aurais jamais pu être. Prends bien soin de toi, surtout. Tu vas me manquer.